Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire, est avec nous ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et on va revenir ce matin, Michel, sur cette date importante, le 9 août prochain, la France commémorera les 40 ans de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers, un attentat, Michel, intervenu après celui de la synagogue Copernic, qui à l'époque avait provoqué une grande manifestation populaire. Et comme pour la synagogue de la rue Copernic, eh bien dans ces années-là, la France voulait croire à des attentats néo-nazis, des attentats d'extrême droite. Ça a été le cas pour l'attaque de la rue des Rosiers. Absolument, Ilana, il y avait près de 100 000 personnes qui étaient descendues en 1980 pour manifester contre cet attentat sous des slogans euh, contre le nazisme, contre l'antisémitisme. Et oui, le 9 août 82, ce n'était plus la même ambiance. Peu de mobilisation, car il faut dire que cet attentat terrible était déjà revendiqué, cette fois par le groupe terroriste palestinien Abou Nidal. Et ce mois de vacances d'été, tous les antiracistes, Proclamé déjà elle ne s'était pas mobilisé, la cause palestinienne devenait sacro-sainte en France et déjà la gauche désertait le combat contre cet antisémitisme palestinien que d'aucuns requalifiaient, on peut dire déjà encore, mmh. de combat antisioniste. Bah on peut revenir sur l'ambiance de ce terrible jour, Michel Dès l'annonce de l'attentat, il faut quand même le dire, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, interrompt ses vacances à Laché dans les Landes et il assiste le soir même du drame à un office organisé dans la synagogue de la rue Pavé, toute proche de la rue des Rosiers. Donc il sera conspué par une centaine de manifestants. Mitterrand assassin, Mitterrand complice, a crié une petite centaine de jeunes militants juifs. Le président impassible va s'exprimer sous les cris donc, de cette foule provoqué notamment par ses contacts récents avec Yasser Arafat, le leader à l'époque de l'OLP. Je suis l'ami de la communauté juive de France, je suis venu m'associer à sa douleur comme je l'ai toujours fait, je dis que ce fanatisme-là me trouvera devant lui, disait François Mitterrand. 21 jours plus tard, on était déjà dans la guerre du Liban et le président de la République va faire évacuer Yasser Arafat par crainte que Tsal mmh. s'empare du chef de l'OLP, donc il l'a amené de Beyrouth à Tunis. Alors on parle de l'attentat de la rue des Rosiers 40 ans après il faut faut le dire, Michel, il n'y a toujours pas de procès. Et oui, aujourd'hui, si nous ne sommes plus dans le déni, il n'y a malgré une enquête très longue et importante, toujours pas de procès historique pour rendre justice et commémorer avec dignité les attentats, les victimes des attentats de la rue des Rosiers dans ce fameux quartier juif de Saint-Paul, le 9 août 1982. Rappelons le bilan c'était six morts, vingt blessés dans le restaurant juif de Joe Golenberg, le Pletzel le vieux quartier historique donc de la communauté juive de l'époque, était touché, meurtri, à 40 ans après les rafles anti-juives. Et on se souvient, d'ailleurs, Ilana, que celui que vous connaissez bien sur cette antenne, le président du Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme, Samy Gozlan, était alors inspecteur de police. Il avait reçu une mission exceptionnelle du Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, afin de participer à l'enquête sous l'autorité du commissaire, le chef de la brigade criminelle de la police judiciaire. Le but, c'était de Rétablir la confiance avec la police et recueillir des informations et des témoignages de la population locale traumatisée, on l'imagine. Et c'est pendant sa mission rue des Rosiers que Samy Gozlan aura reçu lui-même par téléphone la revendication de l'attentat par Abou Nidal. Et puis Radio J était tout à fait mmh. radio naissante, allait couvrir cet événement qui signait le deuxième attentat antisémite d'envergure de l'après-guerre. Alors des rebondissements dans cette affaire en 2020, par ailleurs, on l'avait annoncé sur Radio J, de nouvelles révélations inattendues. Hein. Absolument. Absolument, vous l'aviez annoncé, le CRIF et d'autres organisations, euh, notamment juives, avaient déploré cette révélation de l'accord secret qui a été conclu par l'ancien patron de l'antiterrorisme Yves Bonnet avec le groupe palestinien Abu Nidal. Et Yves Bonnet, qui le disait, c'était le but était d'éviter d'autres attentats sur le sol français dans les années 80 assez effrayants. Personne ne peut envisager aujourd'hui que cet attentat antisémite, si meurtrier, puisse rester impuni. Le refus d'extradition par Abou Mazen, le chef de l'autorité palestinienne, du terroriste Hader Abed Hadra, dit Hisham Harb, qui vit aujourd'hui à Ramallah, est emblématique de la politique menée par l'autorité palestinienne sur ces euh, sujets. En l'occurrence, à l'heure où Israël est accusé, bien sûr, de tous les maux par un projet de résolution en France, euh, eh bien, les conséquences seront sans doute euh, de contribuer à la hausse de l'antisémitisme. C'est en tout cas ce que déclarait euh, hier le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Merci beaucoup, Michel va Demain.